Ah non, non. Là, celle-là ou pas? Fais pas ça. Hein. Fais pas ça. Lâche ça. C'est en mode, attends, c'est en mode, je reste appuyé et je tourne. Christophe, j'allais. Un peu l'envers. Hein? Tu as mis à l'envers, frérot, le caleçon. Ça fait comme j'allais. Tu as mis à l'envers. C'est pas grave. Non, sérieux? Tu vas mettre les dessus. Elle est couture. Dis-moi que j'ai la tête à l'envers. Vas-y, attends, juste pour voir. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce que tu fais, toi? Toi, tu joues contre ton ancien coéquipier, c'est ouais. Ça? Ah, c'est un match un peu spécial, ouais. Donc, c'est pas évident, hein. Surtout que ouais, je l'ai connu à l'époque aussi avec le LOSC à sa toute première année quand il est arrivé en France. Nouvelle coupe, hein? Ouais. On va craquer. N'importe quoi. Je l'ai conseillé, je lui ai dit c'est une bonne destination. Maintenant, il n'y a plus qu'à. On va m'envoyer dans son stade où il a commencé à réussir. Stade Bonal. Ultimate Team. Ah, Ultimate Team? Yeah. C'est vrai, il a une équipe de merde. Ah? Impossible. Ah ouais. You? Tu équipes. Non, me. Et Eusebio. Jairzinho. Les yeux? Jairzinho. Mbappé. Zidane. Yaya Touré. Gueye-Oro. Cafou. Cafou. Yeah. Let's go. C'est ça mon père, allez. C'est le 8. Hop là, mon troisième perdant. Hey, t'es pas prêt? Ça ressemble au ballon qui bout de mer au match. Hein. Bah ouais, faut être prêt à contrôler. Ouais. Ouais, je suis bien la balle. Les deux déjà. Perdants bordelais là. On a en supériorité sur une zone, il faut la garder. On s'est à mettre de la présence devant le but. Allez, bon match. Bien joué là les gens, très bien. Bien joué Marc, super. Et voilà, le résultat final de notre beau lapin Racing. Allez, elle comme ça. Allez, petit comme ça, on dit elle comme ça. Quel blocage! Ah!
C'est un flipper en fait, c'est pas un taureau. Nigeria, le problème, tu regardes pas le foot, toi. Ça sert à rien à parler avec toi. Lui, il connaît pas le foot. Ça sert à rien à parler avec toi. Excuse-moi, les potes. Non, va là-bas. Excuse-moi. Nous sommes à l'antenne avec Marvin Senaya. Marvin, qu'as-tu ressenti après ce but ? Beaucoup de joie, de fierté. Je pense que ce but devant le COP, ça a été un sentiment unique pour moi. Ça a été un sentiment vraiment magnifique. Et je fais ça avec beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Et je continue à travailler pour marquer d'autres buts.